Les lycéens de Belle-Pierre, privés de cours de physique et de chimie depuis plusieurs mois, n'hésitent pas à le crier sur les toits. Moi, je suis élève de terminale au lycée de Belle-Pierre, en spécialité physique-chimie. Et je trouve ça outrageant, dans une année aussi pionnière que la terminale, de ne pas pouvoir justement avoir accès à toute l'éducation nécessaire, à tous les services nécessaires pour pouvoir ensuite mener notre scolarité au mieux, quoi. J'ai vu la prof de physique-chimie une ou deux fois. Et ce qui est cours ou TP, depuis, ça fait 2 mois qu'on n'a plus de prof. Pour le bac, ça sera compliqué pour eux, vu qu'ils n'auront rien fait et tout. Que le cours de physique-chimie soit pérenne. La pénurie des cours de TP, des travaux pratiques, touche aussi bien les classes de seconde, première et terminale. Selon la PEP, le problème ne serait pas nouveau. Les deux laborantins sont absents. Et également, les profs de physique-chimie sur 7, il y a 6 qui sont absents, voilà, qui sont congés de maladie, parce qu'il y a un gros problème de ce lycée. Ça fait 6 ans qu'il y a un problème de ce lycée. Et il y a des problèmes de mise en œuvre de travaux pratiques depuis ce début de l'année. Et il y a des professeurs qui sont absents aussi, donc il y a de nombreux cours qui n'ont pas eu lieu. Voilà, alors pour votre information, c'est une situation que je m'efforce de gérer avec l'autorité académique depuis le début de l'année. Avec l'approche des vacances d'octobre, les parents d'élèves estiment que le premier trimestre est déjà perdu. Une pétition a recueilli 700 signatures. Le rectorat devrait entendre les mécontents ce mercredi.